Good morning, Aleiden, Moadim, les Simcha et Pit Katava, Good Kvitel pour le Hoshana Rabba. L'étude sera aujourd'hui les Lunishmat, Amravian, Aventran, Abiki, Bethesda, Nissiman, Aouda et aussi les Fatrou, de Batkolodin, Traina, Betor, Shafol, Israël. Si vous êtes aussi déjà une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet et Douyot, Perekret, Mishnah Vav. Amar Rabbi Eliezer, Shamati, Shayu Bonim, Bahechal, Shayu Bonim, Bahechal, Osim Klaim, Lahechal, וקלאים לעזרות, אלא שבהיכל בונים מבחוץ, ובעזרה בונים מבפנים. אמר רבי יהושע, שמעתי שמקריבים אף על פי שאין בית, ואוכלים קודשי קדשים אף על פי שאין קלאים. קדשים קלים ומעשר שני אף על פי שאין חומה, שקדושה הראשונה קידשה לשעתה, וקידשה לעתיד לבוא. C'est pas très compliqué, mais il faut juste bien situer les choses. Ce qu'on va faire, c'est que on va parler d'un sujet, on va expliquer tout de suite. On va d'abord commencer par traduire le début de la Mishnah sans vraiment comprendre de quoi ça parle. Quand on va arriver dans la deuxième partie de Rabbi Yehoshua, on va plus mettre le focus dessus pour bien comprendre de quoi ça parle. Et ensuite, on va monter sur la première partie pour expliquer deux possibilités comment interpréter la Mishnah. D'accord ? On est en train de parler de la reconstruction du Beit HaMikdash à l'époque du Beit Sheni par Ezra lorsqu'ils sont revenus de Babel. De quelle manière ils ont reconstruit, on va apprendre qu'ils ont mis des rideaux, ce qu'on appelle des klaim. Et la question est de savoir pourquoi ils ont mis ces klaim. D'accord ? Regardez. Amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a dit, Shamati, j'ai entendu, j'ai reçu de mes maîtres, Shkayu bonim ba'echal, quand ils sont, nos ancêtres, ont reconstruit le Hechal, le Bet Kodesh HaKodashim, depuis l'entrée, le... alors, osim klaim, ils ont mis des rideaux. Ils ont tendu des rideaux, la Hechal, pour le Hechal, ou Klaim la Hazarot. Et aussi, ils ont mis des rideaux pour définir les Hazarot, chaque partie de la. Pour chaque partie de la, du Beit HaMikdash. Il y avait plusieurs Hazarot dans le Beit HaMikdash, il y avait Ezrat Nashim, Ezrat HaKohanim, et là-bas, ensuite, il y avait le Kodesh HaKodashim à l'intérieur, plusieurs secteurs. Alors, dans chaque endroit, ils ont mis des Klaim. Avec quand même une petite différence, ils ont tendu des rideaux pour pouvoir construire. La question est de savoir pourquoi. Et là, Sheba Echal, Bonim, mais Bachot, cependant, avec une petite différence. C'est lorsqu'ils ont mis des rideaux à la place du Echal, alors ils construisaient à l'extérieur du Echal. Ouais, et là, Sheba Echal, Bonim, mais Bachot, le Echal, c'est le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, je ne sais pas comment ça s'appelle en bon français catholique. Je supporte pas ces mots en français, ça me... le saint des saints. Enfin, et là, Sheba Echal Bonim Mibachutz, pour le Echal, donc le Kodesh HaKodashim, il mettait les Klaim et construisait à l'extérieur, tandis que Uba Azara, et pour le, par rapport à la Azara, donc il tendait ses rideaux et construisait, Bonim Mibifnim, construisait à l'intérieur. La question va être de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont mis ces rideaux, quel était l'intérêt. Pour le moment, on continue la suite de la Mishnah avec Rabbi Yehoshua qui va nous apprendre quelque chose de beaucoup plus clair. Et selon ça, on va remonter ensuite. Amar Rabbi Yehoshua. Rabbi Yehoshua, lui, il a continué. Il a dit autre chose. Peut-être qu'il y a une discussion, peut-être qu'il n'y en a pas. Shamati, moi j'ai entendu autre chose. Shemakrivim, afal pishen bait. Que l'on peut apporter un korban, un sacrifice au Beit HaMikdash, afal pishen bait. Même s'il n'y a pas de bait. Il n'y a pas de Beit HaMikdash construit. Le lieu du Beit HaMikdash, il est saint. Si on se retrouve à l'endroit du Misbéar, par exemple, à notre époque, le Beit HaMikdash, il est détruit, il n'y a plus de murailles, il n'y a plus rien. Malgré tout, on peut partir à l'endroit du Misbéar et apporter un korban, même s'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de muraille. Au Beit HaMikdash, ni à Yerushalayim. C'est ce qui va nous apprendre sur trois halakhot. Makrivi, mafal pishen bait. On peut apporter un korban, même s'il n'y a pas du tout de Kodesh HaKodashim. Il n'y a pas de saint des saints, il n'y a rien, il n'y a plus de misbéar, il n'y a plus de Beit HaMikdash. Malgré tout, le lieu du misbéar, il est saint, il est kadosh, parce que Shlomo HaMelech, il a sanctifié, et depuis, il est resté saint pour toutes les générations à venir. Et idem, ve'ochlin kodshe kodashim afal pishen klaim. On peut le manger aussi des kodshe kodashim, des sacrifices qui ont un statut très kadosh, ce qu'on appelle kodshe kodashim. Il y a deux niveaux de kdusha, le kodashim kalim et kodshe kodashim. Alors, les Kodesh HaKodashim, les très kadosh qui sont, donc, il y a le Korban Ola, qui n'est pas consommé, il y a le Khatat et le Hacham.
Eux, on doit, en théorie, à l'époque du Beth Amikdash, on pouvait manger qu'à l'intérieur de l'enceinte du Beth Amikdash, des Ezrat HaKohanim, Ezrat Israël aussi, on avait encore le droit, mais pas à l'extérieur. Pas à l'extérieur du Beth Amikdash, proprement dit. Même à... D'accord ? Donc, on a le droit de manger, même à notre époque, même s'il n'y a pas de Beth Amikdash, même s'il n'y a pas de muraille, même s'il n'y a même pas de rideau pour différencier les Hazarot, les différents secteurs du Beth Amikdash. Et aussi, Kodashim Kalim ou Maaser Sheni, les Kodashim, les sacrifices qui sont aussi saints, mais avec un niveau moins fort, ce qu'on appelle Kodashim Kalim, comme par exemple les Shlamim, Korban Toda, que le Bechor à Maaser, à Pessah, que dans ce cas-là, on avait le droit de le manger dans tout Yerushalayim, et bien on a le droit de les manger à Yerushalayim. Et même le Maaser Sheni, ça a le même statut, il fait le manger à l'intérieur d'Yerushalayim. Aval Bishen Choma, même s'il n'y a pas de muraille d'Yerushalayim, la muraille elle a été détruite, malgré tout, si on est certain que en ce lieu-là, précisément ici, on avait le droit, c'était un lieu qui a été sanctifié avec la Kdusha d'Yerushalayim, et bien on pourra manger à cet endroit, même s'il n'y a plus de muraille. Pour quelle raison tout ça ? Chez Kdusha Rishona, car la sainteté initiale, première, la Kdusha, que lorsque Shlomo HaMelech a sanctifié Yerushalayim, Kidusha le Sha'ata, il l'a sanctifié pour son époque, Vekidusha le Atid Lavo, et il l'a sanctifié pour les générations à venir. On commence à expliquer un petit peu mieux de quoi on parle d'abord dans cette deuxième partie de la Mishnah. Il y a plusieurs niveaux de sainteté en Israël. Il y a des villes qui ont une certaine Kdusha, il y a les Harémiklat, des villes-refuges qui ont une Kdusha encore supplémentaire, supérieure, un niveau au-dessus, on va arriver à la Kdusha de Yerushalayim, à l'intérieur d'Yerushalayim, on va rentrer dans Arabeit, c'est un niveau de Kdusha encore plus fort, et puis ensuite, dans l'enceinte du Beth Amikdash, Ezrat Nashim, Ezrat Israël, Ezrat HaKohanim, Hechal, Kodesh HaKodashim. Il y a comme ça, dans ma Sechet Midot, je crois, il y a Eser Kdushot, on dénombre 10 niveaux de Kdusha. Chaque niveau avec ses halakhot bien particulières. Ce qui va nous intéresser pour le moment, on va comparer la Kdusha d'Eret Israël, la Kdusha d'Yerushalayim et la Kdusha du Beth Amikdash. La Kdusha, ouais. À Yerushalayim, on a par exemple évoqué que du Maaser Sheni ou des Kodashim Kalim, des niveaux, des sacrifices comme des Shlamim, un certain niveau de sainteté, mais pas le plus intense. Alors, ces choses-là doivent être consommées nécessairement à Yerushalayim. On doit les manger nécessairement à Yerushalayim et pas à l'extérieur d'Yerushalayim. Alors maintenant, la question est de savoir, je dois les consommer à Yerushalayim. Comment on définit Yerushalayim ? Il y a dans Masechet Shavuot, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait appris là-bas à la fin du premier Pérek, enfin du deuxième Pérek plutôt, comment on a sanctifié Yerushalayim. Il y avait toute une cérémonie très jolie où il fallait faire le tour d'Yerushalayim avec des animaux, avec bien sûr les Kohanim, des Shofarot et tout ça pour sanctifier Yerushalayim. C'est ainsi qu'on pouvait même élargir Yerushalayim. Si on voulait élargir Yerushalayim, ça ne suffisait pas de construire, d'élargir, de pousser les murailles. Il fallait ensuite sanctifier. Sanctifier avec tout un procédé. Comment procéder ? Faire marcher avec des korbanot et tout ça. Et tout un... Comme on apprenait à la fin de regarder dans les Shiurim, Shavuot, fin du Perek Sheni. Donc il fallait sanctifier. Pour maintenant faire que maintenant, cet endroit, c'est plus juste de la terre d'Israël, c'est devenu de la terre d'Yerushalayim. Quel est l'intérêt ? Qu'à partir de maintenant, si je vais venir ici avec mes Kodashim Kalim, avec mes Maaser Sheni, je vais pouvoir les manger. Alors que si je vais sortir d'Yerushalayim avec mes Kodashim Kalim, avec mes Korbanot, et ben je vais les rendre psulim beyotse, ils vont devenir inaptes à manger parce que maintenant je les ai sortis à l'intérieur de leur kdusha. D'accord, il y a même un interdit de les consommer une fois qu'ils ont été sortis. Donc c'est comme ça qu'on réussit à faire la kdusha d'Yerushalayim. La question est de savoir maintenant, est-ce que si la muraille de Yerushalayim a été détruite, est-ce que Yerushalayim garde encore sa sainteté par le simple fait que le lieu, il est un lieu saint, ou bien non, le lieu, il est défini grâce aux murailles. Et dès qu'il n'y a plus de muraille, eh ben, c'est fini, tout s'évapore. C'est la question. Et c'est justement ce que Rabbi Yoshua vient nous enseigner en nous disant que, sachez que la Kdusha de Yerushalayim, elle reste à Yerushalayim même s'il n'y a plus de muraille. Idem, la Kdusha du Beth Amikdash maintenant, on monte encore un niveau supérieur. Au Beth Amikdash, on avait dit les Kodesh Kodashim, comme par exemple Korban Ola, Khatat, Hacham, qui ont un niveau très fort d'ailleurs, en Israël ne mange pas de ces korbanot, c'est que le Kohanim qui en mange, que le Kohanim qui en mange dans l'enceinte du Beth Amikdash uniquement, ils n'avaient même pas le droit de le sortir.
si il n'y a plus de ni muraille, ni même de rideau qui fait séparation entre le Beth Amikdash et le reste de Yerushalayim, est-ce que cet endroit-là a un niveau de sainteté d'enceinte du Beth Amikdash? Ou bien non, s'il n'y a plus de muraille, c'est plus un Beth Amikdash. Eh bien, il vient nous enseigner en religion en nous disant que oui, il y a encore la Kdusha, elle est intrinsèque à l'endroit, elle n'est pas définie grâce aux murailles. Et donc, on a fini l'essentiel. Et idem aussi, à l'endroit du Misbeach, on a le droit de partir faire un korban. D'ailleurs, il y a des tas d'histoires, il y a des nouveaux courants religieux un petit peu nationalistes, comme ça, qui veulent absolument partir faire des korbanot. En théorie, il y a plein de problèmes, c'est pas mon problème de parler de ça, je parle juste par rapport à ce point-là spécifiquement. Ils ont raison sur ce point-là, que l'endroit du Misbéar, si toutefois on sait où est-ce qu'il est, et bien partir égorger un korban là-bas, ça s'appelle qu'on a apporté un korban dans l'intérieur, dans l'enceinte du Beth Amikdash. Ouais, parce que la Kdusha, comme nous enseigne la fin de la Mishnah, la Kdusha que Shlomo HaMelech a sanctifié, c'est une Kdusha qu'il a fait pour son époque et pour toutes les générations à venir. Il a réussi à lui donner un digne de Kdusha pour tout. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on a appris. À la différence, c'est rapporté dans le Bartanora cette fois-ci, à la différence de la Kdusha d'Eretz Israël. En Eretz Israël aussi, il y a une Kdusha spéciale. La preuve, elle est qu'il y a plein de mitzvot que la Torah a imposé sur Eretz Israël spécifiquement. La Shvi'it, le Chiyuv des Tourumot ou Maasrot. Sur ça, on a comme règle que Kdusha Rishona Kincha Lishata Velo Kincha Le'atid Lavo. La Kdusha initiale qui a été donnée sur Eretz Israël, lorsqu'Eretz Israël était sanctifié, elle a été donnée pour cette époque-là, mais pas l'Atid Lavo, pas pour les générations à venir, si toutefois le peuple ou Israël se fera, partir en exil, exilé de sa terre, eh bien la Kdusha, elle sera perdue. À la différence de la Kdusha de Yerushalayim. On a fini maintenant la seconde partie de Rabbi Yoshua. Maintenant, on va revenir sur la première partie, avec tout d'abord un fait historique. Lorsque Ezra il est revenu en Israël pour reconstruire, il est revenu de Babel reconstruire le Beth Amikdash, alors les psukim nous enseignent qu'ils ont mis des klaïm, ils ont mis des rideaux. Avant, ils ne sont pas venus, ils sont venus reconstruire le Beth Amikdash. Ils sont venus, ils ont redéfini, ici c'était le Echal, venez pour le moment, on va planter des poteaux et on va tendre des rideaux pour définir que ici c'est le Echal, ici c'est les Hazarot, les différents de Ezrat Kohanim, Ezrat Nashim, Ezrat Israël, pour bien définir. La question c'est pourquoi est-ce qu'ils ont voulu faire ça? Il y a sur ça deux explications. Il y a un premier avis qui pense que, justement, qui a rapporté... Non, on va d'abord expliquer l'avis de la halakha. Il y en a qui disent que c'était aucune nécessité halakhique à ce point-là, si c'était le fait de ne pas regarder de manière vulgaire, grossière, regarder l'endroit qui était tellement saint du Kodesh à Kodeshim, puisque la Kdusha, elle a été fixée là-bas et elle n'est plus ressortie, alors c'était pas digne de se mettre à regarder lorsque vous se faisiez. Il n'y avait aucune nécessité ilkhatique. C'est comme ça que Mehmet s'est retenu la halakha, qu'il n'y a aucune discussion en fait entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Ils ont juste mis ces barrières pour pouvoir, de manière à ce que ceux qui vont venir reconstruire le Beth Amikdash, c'est pas digne, d'accord, c'est pas digne de regarder un lieu saint de manière grossière. D'ailleurs, entre parenthèses, il y avait la même chose au Mamad Har Sinai. Le pasouk reproche à ceux, aux Kenim et à Nadav, à Avihu aussi, qui se sont mis à regarder la montagne, la Kdusha de la montagne, de manière grossière, familière, ouais, c'est le bon mot, de manière trop familière. Il faut de la crainte, on ne regarde pas quelque chose qui est trop kadosh, on baisse les yeux avec crainte. Donc de ce fait, Shalo Yazunu et Nehem, de manière à ce que, comme ça c'est rapporté, qu'ils se nourrissent pas, que leurs yeux ne se nourrissent pas de la Kdusha qui était là-bas. Alors, pour ça, il a fallu mettre des rideaux, tendre des rideaux dans les endroits, mais il n'y avait aucune nécessité halakhique. Ça, c'est l'avis qui est retenu, d'après ce que j'ai vu dans les Mefarshim, c'est l'avis essentiel. Il y a malgré tout, si ça vous intéresse, il y a un avis dans Maseret Shvuot qui explique qu'en réalité, il y a une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, lui, nous disait que la Kdusha, elle a été fixée sur place, elle a été pour les Dorot, même s'il n'y a plus de muraille. Et bien, Rabbi Eliezer, lui, pense que non, il y a la Kdusha, et dépend nécessairement qu'il y ait un lieu qui s'appelle le Beth Amikdash. Il faut définir chacun des lieux pour pouvoir apporter un korban. Si, de ce fait, s'il n'y a pas de Beth, alors maintenant, construire un Beth Amikdash, c'est vrai qu'on peut le faire en pierre, mais on peut aussi le faire avec des rideaux, comme c'était le cas d'ailleurs du Mishkan.
Mais il faut au moins quelque chose qui définit que ça, c'est le Kodesh HaKodashim, ça, c'est la Ezrat Israël, pour pouvoir apporter un korban. Et de ce fait, selon cet avis, il a fallu mettre tous ces rideaux pour un problème ilkhatique, de pouvoir définir les différents lieux du Beth Amikdash, afin que l'on puisse apporter des korbanot le temps que l'on construise le Beth Amikdash. Qu'est-ce qui va... Ouais, c'est clair. Pour pouvoir bien définir, donc, est-ce que j'ai le droit d'apporter un korban, puisque j'ai besoin d'avoir un Beth Amikdash, j'ai besoin d'avoir un temple bien construit. De ce fait, il a fallu mettre des rideaux, tendre des rideaux, des barrières de séparation pour bien définir. Ici, c'est le Kodesh HaKodashim, puisque maintenant, on a un Beth Amikdash qui est bien défini, qui a des bien délimité, avec chaque point, chaque lieu important du Beth Amikdash bien défini, avec des cloisons, des barrières de séparation. Alors maintenant, tu as un Beth Amikdash, tu peux apporter tes korbanot. C'était pour ce problème pratique, mais comme ce qu'on a dit, concrètement, la halakha est établie comme le deuxième avis, que c'était qu'un problème technique, comme le premier avis en fait qu'on a apporté, que c'était qu'un problème technique de ne pas regarder trop familièrement le Kodesh HaKodashim. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Chag Sameach. Rendez-vous Bezrat Hashem après le Shabbat de Simchat Torah pour faire Bezrat Hashem le Sium de Masechet Ebruyot, le Siyata Dishmaya. On vous souhaite un Pitka Tava et Chag Sameach Kol Tov. N'oubliez pas de faire le Hérouv pour les Français. Vous avez encore 3 jours de fête, donc il faudra nécessairement faire le Hérouv pour pouvoir cuisiner depuis vendredi jusqu'à Shabbat. Hérouv Tavshilin Kol Tov Selah.